Tu vois pas? Qu'est-ce qu'il fait, air liquide? Donc ça a dû clic 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 clic. Pognon, pognon, pognon. Ah, les feux automatiques, c'est pas beau ça. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un bonjour calme. Ça change. Alors, comment allez-vous? La forme? Ça déconfine? Bah ouais, ça déconfine grave. Grave, grave, grave. Alors, j'ai commandé pas mal d'accessoires sur la moto. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être être dégueulasse ou pas. Ça sera à vous de me le dire. Donc, j'ai acheté des stickers sur le réservoir. Il a pas vu. Le gros vent qui m'a foutu, putain. Donc j'ai acheté des stickers, ceux qui vont se mettre ici sur le réservoir. Bah à voir ce que ça va donner. Et j'ai acheté aussi des stickers. Je sais pas si on peut dire encore stickers. Des autocollants pour les jantes spéciales F900R. Donc à voir si ça rend joli ou pas. Après ça m'a pas coûté énormément d'argent. C'est sur, j'ai acheté ça sur AliExpress. Je mettrai tiens une petite photo là, 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 là. Pour le prix, je me suis dit, allez go, je vais tester, on ne sait jamais. D'ailleurs, ils vendaient aussi, c'était des protège-roues. Pareil, je vais le mettre là. Dites-moi si ça vaut le coup ou pas d'acheter ça, si ça sert vraiment à quelque chose, ça peut faire juste joli. Donc, dites-le-moi dans les commentaires, ça peut être intéressant de savoir si c'est quelque chose d'utile ou pas, ou juste esthétique. Donc j'ai vu aussi un commentaire d'un abonné sur la cam Insta360. Voilà, il y en a qui ont crié le feu. Hein. Donc Insta360, il y a le X et le R. Je sais pas du tout lequel est le plus adapté. D'ailleurs, ceux qui ont grillé là, le feu, il y a un flash ici. Hein. Donc ça a dû clic 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 clic. Pognon, pognon, pognon. Donc je disais, c'est sur une caméra 360. Deux modèles, il y a la Insta360X et R. Alors je sais pas laquelle est la plus adaptée pour des vlogs moto. Pour moi c'est peut-être plus la X, donc si vous êtes calé là-dessus, je suis preneur de vos retours dessus. Ça me tente, donc à voir. Mais bon, pour l'instant j'ai encore d'autres achats à faire. Après c'est plus le son que je dois améliorer. Donc là il y a du taf, qu'est-ce qu'il fait air liquide. Donc à voir, déjà améliorer ça, je vous pète pas les tympans. Ça serait super. Parce que ça serait sympa de capturer un son même à 110, 130 sans entendre le vent. Ça serait cool. Ah bon, à voir. Alors, on y va doucement les remontées de fil en virage. Hein. Voilà. Pour éviter ce genre de comportement. Ce jeu clignote, super. Quel bordel. Oh, le déconfinement. Hein. C'est bien joli. Et on retrouve... toutes les embouteillages. Merci. Les gens sont sympas quand même. Voilà, ça clignote. Tu vois pas? Ah ouais, mais c'est le clignotant aussi qui m'a fait peur. Ah ok. Super, je te remercie. Oh, le mec est cool. Moi, ma carrosserie, c'est quoi? C'est un bout de tissu, deux, trois petits bouts en... qui protègent à peine les coudes, le dos. C'est que dalle, quoi. Donc, pour les automobilistes qui regardent la vidéo, moi, je balance pas des petits filets de gaz comme ça pour m'amuser. Hein. C'est vraiment en prévention parce que... parce qu'on a peur, regarde lui. Hop, plus de rétro. C'est juste parce que, voilà, on veut juste sauver nos vies, quoi. Et voilà, c'est super dangereux, quoi. Avec ce putain de téléphone de merde. On devrait supprimer le permis pour tous ceux qui utilisent le téléphone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mettez-le moi dans les commentaires. Pour vous, le téléphone, c'est quoi? C'est bon, allez, on peut le faire. Ou c'est vraiment, pour moi, c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, ça devrait être totalement interdit et super... Enfin, sanctionné encore plus fort. C'est les gens se permettent des trucs... enfin, bon... Je comprends pas. Avant, il n'y avait pas de téléphone dans les voitures. On s'en sortait très bien. Maintenant, ça y est. Ouais, il y a un accident. Non, c'est des travaux. Alors, un accident. Alors, j'avais vu une vidéo de présentation d'essai sur la F900R. Et les mecs, hein, c'est des professionnels hein, du test, qui disaient que le shifter était un des points négatifs parce qu'il était un peu dur ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, c'est... Je trouve ça...
un peu facile parce que bah, franchement, moi j'ai jamais eu aucun souci. Bon, on m'a juste dit que les 1000 premiers kilomètres, donc pour ceux qui vont avoir cette bécane, les 1000 premiers kilomètres, il vaut mieux ne pas trop l'utiliser. C'est ce que j'ai fait. De temps en temps, je m'amusais un peu avec, mais voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de... Enfin, tant qu'on le passe bien... Ouais, donc jamais eu de souci. Donc quand ça passait pas, bah, c'est parce que je le passais pas au bon moment. Donc que ce soit pour la montée ou la descente. Donc les mecs qui testent, c'est difficile, hein, je pense, de se faire un avis sur une moto. Des fois, quand elle est pas rodée, elle peut avoir des comportements différents. Donc c'est peut-être important. C'est peut-être important pour moi, mais c'est peut-être important pour vous. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Bueno, la crache, ça va le dap. Qu'est-ce qu'il est long, ce p***. Oh putain, ça sent mauvais ici. Putain, c'est quoi ce bordel? Ah, oh, putain. Quelle horreur. Putain, je sais pas ce qu'il y avait là, il bouge d'égout. Hein. Ça y est, tout est ouvert. Restaurant. C'est le Day One pour tous ceux qui étaient dans le rouge avant. Alors là, je roule en route. Et effectivement, je sens quand même la différence par rapport au mode dynamique. Il y a quand même moins de patates. Bon, pour rouler tous les jours, c'est nickel. Hein. Mais j'avais fait pas mal de dynamique et dynamique pro, donc le custom là. Franchement, là, le mode dynamique, il est sympa. Hein. Quand on dit que le moteur est linéaire, oui, ouais, il est vachement linéaire. Pareil, il y en a beaucoup qui disent qu'il a peut-être manque de caractère. Il est chinois, ouais, il est chinois, il est monté en Chine, ouais. Ouais, c'est un moteur monté en Chine, bah Triumph, c'est en Taïwan, et pourtant on leur crache pas trop dessus, quand même. C'est des bons moteurs. Donc la conception, elle se fait quand même bah, pour ce moteur-là chez BMW. Après, la fabrication, elle se fait ailleurs, comme beaucoup d'équipements hein, électroniques ou mécaniques. Donc ça me fait bien rigoler, quoi. Après, on verra, hein, peut-être que je me trompe, Royal. Et ça va être un moteur dégueulasse. Après, effectivement, c'est pas le top du moteur de chez BMW. Hein. On va pas tout avoir. Pareil, il y en a certains qui disent aussi le prix est excessif. Bah regardez un peu la concurrence et regardez si le prix il est vraiment excessif. Les options, pareil, on dit ouais, c'est vachement cher BM. Oui, bon, déjà les options, on n'est pas obligé de les prendre. Et il y a certaines options qui sont vraiment pas du tout obligatoires. Peut-être d'autres un peu plus avec les modes dynamiques qui peuvent être sympas avec la suspension active. Allez voir chez la concurrence pour voir s'ils ont ce genre d'équipement. Ça serait sympa de comparer aussi. Après, effectivement, on paye peut-être un petit peu la marque chez BM, mais je pense que chez les autres, c'est pareil, on paye. Hein. Chez Triumph, c'est pas... Ah, c'est pas donné quand même. Hein. Ah, j'adore Triumph, hein, vraiment. Elles sont magnifiques. Hein. La Street Triple, moi, elle me faisait de l'œil pendant pas mal de temps. Mais sauf que bon, le prix, c'était un peu plus cher. Y avait des choses qui étaient un peu différentes quand même. Sur. Putain, les mecs, ils traversent n'importe où. Donc il y avait quand même quelques petites différences. Hein. Après, ça reste quand même de l'excellente qualité. Hein. L'écran TFT, un peu déçu sur Triumph. Après, bon, voilà, c'est qu'un écran. Hein, mais bon, maintenant je commence à kiffer les écrans. Tu fais quoi toi? Ah bah ouais, mais... N'importe quoi, mais... Ça zigzague. Ah, les trottinettes. Donc, pour revenir sur Triumph, c'est sympa, mais... Ouais, l'assurance aussi, putain, ça a coûté un bras. C'était deux fois plus cher. Bon, après, ceux qui ont de la thune, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ça m'a un petit peu voilà, refroidi. Après, je pense que si j'en essaye une, je risque de pleurer parce que c'est... ça doit être que du bonheur aussi. Hein. Sûrement différent comme comportement par rapport à celle-là, mais... Alors, et puis bientôt, le jeu concours, qui va bientôt commencer, dès que je ferai le plein, ça va bientôt arriver. Donc, je me suis peut-être un peu avancé aussi. À voir. On verra bien tout ça après. Bon bah ciao. Ciao belle. Ah les feux automatiques, c'est pas beau ça?